Demande ton papa, Vito. T'inquiète pas, on va bientôt le rejoindre. On va trouver un arrangement, Vito. Tu vas crever ici, Vito, comme ton bon père. Toute ma vie, j'avais essayé de parfaire les erreurs de mon père, pour découvrir finalement que j'avais fait exactement comme lui. Ça m'a fait du bien d'apprendre enfin la vérité, et la mort de Derek m'a permis de résoudre un autre problème. J'ai quand même réussi. J'ai fait le bourrin. J'ai été directement à Derek. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt. Où est-ce qu'il me canarde? Où est-ce qu'il est? Y a personne qui me tire dessus ou quoi? Mais où est-ce qu'il est? Non, non. Encore un, mais ce coup-ci je sais pas où il est, je ne sais pas. Okay, chouette, chouette. Allons donner une leçon à ce salaud. Allez, suivez-moi, les gars. Il me fera chier jusqu'au bout. Faites surtout pas ça. Vito a pas besoin de vous.
Ça lui fera une plus grosse force de frappe. Allez, Vito, on est avec toi. Oh non. Putain. Putain le putain. Je sais pas, je peux pas le toucher. Ok, on sera assez. Allons donner une leçon à ce salaud. Allez, suivez-moi, les gars. Vous êtes devenus fous. Surtout pas ça. Putain ! Ça lui fera une plus grosse force de frappe. Allez, Vito, on est avec toi. Bon. Point positif, c'est que j'ai réussi à tuer Derek. Je sais comment faire, mais c'est une fenêtre foncée dans le tas. Donc je vais m'arrêter là, on va se calmer. Et on va reprendre dans une heure. Allez, salut. Ok, on sera assez. Allons donner une leçon à ce salaud. Allez! Rebonjour. Bon, j'avais dit que j'arrêtais et je reprendrai dans une heure. Et finalement, j'ai laissé passer une journée pour
analyser tout ce que j'avais fait, regarder un peu mes points forts et mes points faibles. Et normalement, ça devrait aller. Cette fois-ci, je crois que je vais pouvoir m'en tirer. Allez. Et c'est parti pour une énième tentative. J'espère que ce sera couronné de succès. Toujours au même coin. Il se planque toujours au même coin. Si je reste ici. Il y en a encore un, putain.